Salut à tous, c'est Alumine et bienvenue dans le troisième épisode des RP. Et aujourd'hui, la salle Eden vont devoir braquer une banque. Attention, écoutez bien ce que je dis. Écoutez bien attentivement ma voix, parce que vous allez devoir bien m'écouter. Ok. Nous allons le professeur vous charge de récupérer votre équipe de braqueurs qui se trouve à différents endroits de la map. Chaque braqueur a un profil particulier. Écoutez bien le profil de chaque braqueur. Parce que ça sera important pour tout le long du jeu et surtout pour aller les récupérer. Parce que je vous ai dit, vous allez devoir les récupérer, ils sont cachés. Ouais. Je vais vous donner des indices, donc c'est parti. Premier braqueur, Berlingo, votre sous-chef, 29 ans, d'origine cubaine. 50 braquages à la clé, dont l'un des plus gros braquages du siècle. Berlingo, surnommé le braqueur de la Maison Banque, traîne dans les quartiers d'affaires de... Incognito, il aime retourner à ses lieux de braquage. Deuxième braqueur, ou braqueuse, je sais pas comment on dit, c'est une meuf quoi. Tokia, 24 ans, d'origine anglaise. 23 braquages, dont un qui est parti en freestyle, on va dire. Elle a eu un mort sur le dos, donc malheureusement son petit copain est mort dans un braquage. Chef du gang Levagos, elle traîne souvent dans son quartier, très connu de Los Santos et très connu de la police. Troisième braqueur, Moscou Monté, 40 ans, d'origine andalouse. Premier braquage, donc c'est son premier braquage, attention. Mais il est expert en armes à feu et voitures blindées. Réparateur automobile dans la vraie vie, il aime réparer les voitures à ses temps perdus. Okay. Comme je vous dis, il est expert en voitures blindées. C'est parti, je rappelle. Ok. Bah j'ai un masque, il faut bien que... Qui prend le volant ? Vas-y. Moi je prends. Eden il prend le volant et le mec qui est d'origine sauce andalouse. Par contre, faudra lui dire que voilà quoi. Le Moscou Monté il s'appelle, il a 40 ans. Si jamais vous voulez. Ok, donc custom si j'ai entendu là ça déjà. Non, Maze Bank j'ai entendu. Maze Bank d'abord. Ok. Alors, c'est notre sous-chef du coup apparemment. C'est ça. C'était là hein. Ouais, je sais. J'ai fait demi-tour, c'est pour éviter qu'elle ait pas laissé sa salle. Voilà, alors je vais essayer de bien filmer cette fois-ci parce que la dernière fois, d'accord. Berlingo, monte! Et tout à l'heure, tu cherchais pour. Comment on dit pour une fille, braqueur pour une fille, on dit bracassé. Ah, ok, donc c'est une bracassée. Ah, merci. C'est bon, vous êtes chaud là? Donc les gars, vous êtes dans le mode RP, on les gars. Chaud, là, mec. Vous êtes RP. Ouais, pas je, les gars. Vous êtes le chef? Enfin, je vous demanderai. Donc, ouais, c'est moi, c'est Berlingo. Je suis le sous-chef. Bah, nul, non, ouais. La caméra, si tu peux juste filmer, c'est tout. Ouais, donc, ouais. T'es le ouais, chef. Ouais, arrêtez de parler. Sous-chef. Ah, ok, sous-chef. On vous appelle Berlingo, chef. C'est trop cramé par la police. Ils vont savoir que vous êtes le chef. Ouais, voilà, je préfère. Je suis Berlingo, ça fait quand même mieux. Surtout que je suis fan de vos braquages. Hop. Merci. Police ici. Salut, police. C'est quoi ton nom? Bonjour. Moi, c'est Moscou Monté. Et vous? Moscou Monté. Moi, c'est. Et lui, c'est. Ah, c'est. Donc, bon, du coup. Vous êtes servi en avance. J'ai préparé des petites armes pour l'occasion. Ouais, bah écoute, monte. C'est le chef qui a dit de. Fusil. Merci. T'aurais dû nous prévenir un peu à. C'est pas grave. On apprend, en fait, on s'est servi vu que. Bah, on est de la même équipe. Parce que j'ai entendu. Écoutez bien tout le monde, c'est important. Et le chef, il a pas d'armes? Oh. Faites pas tant qu'on vous a pas dit de faire. Tiens, j'ai une arme pour toi, chef. Vous en pensez de quoi de ma voiture blindée? C'est moi qui l'ai faite. Voilà, merci. Je pense que... Est-ce qu'on doit l'utiliser? Non. Écoutez, elle est pas encore opérationnelle tout à fait, du coup, je pense qu'on va la laisser ici. J'ai encore deux temps de tirer. On la récupérera peut-être si on en a besoin, de toute façon. Allez, go, on y okay, va. Ok, ça là, marche. Go, par contre, j'ai entendu une voix bizarre qui venait du ciel, comme dans Truman Show, qui disait non, ne le prenez pas. Tout le monde a agi des pare-balles. C'est bon. T'as entendu, bon. Eden? Ouais, j'ai entendu aussi, ouais. Je crois qu'on est dans Truman Show, là, on n'est pas dans la réalité. Il doit pleuvoir, à mon avis. Ok, donc, Ah, je suis tombé. Ok, les gars, je sais que, bon, on est sûrement des braqueurs, mais il faut attacher la ceinture, les gars. On peut pas faire que dans l'illégalité, quoi. Une voiture vous, de police, vous faites-vous discret. Moi, c'est Aideno. Aideno. Et votre collègue? Moi, c'est La Salle Montana. La Salle Montana. Antonio La Salle Montana Boutrous Mancaus. D'accord. Je vois.
Et t'as déjà fait des braquages? La salle, Montana. Bah, il a. Bah, je vais un peu répondre à sa place si jamais. Il a déjà fini en détention, Montana. Il a joué dans des films. Ah, mais les gars, faut dans des films de braquage. Ah non, c'est bon, c'est bon. Vous êtes peut-être le chef, mais laissez-moi conduire vraiment. Ok. C'est votre premier braquage. Effectivement, le chef. On est combien? On est combien, je suis chef tombé. On est censé être combien, chef? Allez, on va chercher Tokia, là. On est 5. Ouais, mais après Tokia, il manque quelqu'un? Après, non, c'est bon. On est au complet. Ok. Tokia, les gars, je sais que c'est une fille. Mais je vous le dis, à mon avis... Allez, hop, allez, passe-moi. Faut se faire quand même attention. Salut. Je te laisse le volant. À mon avis ou à son avis? Salut, Tokia. Salut. On vous suit, chef. On vous écoute. On est parti. Expliquez-nous un peu ce qu'il faut faire, chef. Attends, je vais tout expliquer, arriver sur place. Ne t'inquiète pas. Très bien, on peut ranger nos armes, alors. Voilà, tu peux ranger ton arme. Surtout, faut pas se faire... Vous êtes pas un peu stressé pour le début du braquage? Ah, je suis impatient. Impatient, c'est votre première fois? Non, c'est... Je suis à mon centième coup d'essai, mais... Ah oui, quand même. Allez, on va se garer, là. Attends, on va se garer un peu plus derrière. Hop. Vous pensez que c'est une bonne idée de laisser le véhicule ici? Donc là, on va braquer la banque. Vous voyez, la banque, elle est juste là. Il faut pas se tromper, les gars. Je parle et ensuite vous posez les questions. Posez pas les questions en même temps, sinon on va pas s'en sortir. Dans cette banque, elle possède deux étages. Pour atteindre le coffre-fort, on est obligé de passer par le deuxième étage. On n'a pas le choix. Ce coffre possède un coffre qu'il faudra récupérer. Donc c'est un code à 4 chiffres. C'est la seule chose que je sais. C'est un code à 4 chiffres. Et je sais que le directeur de cette banque, monsieur Arturito, il porte toujours une chemise bleue. Donc la plupart du temps, il a une chemise bleue. J'espère qu'il aura une chemise bleue. Donc surtout, vous le menacez, vous serez obligé de le menacer, on n'aura pas d'autre solution. Le professeur a regardé son cas et franchement, il balancera pas comme ça. Donc on sait surtout une chose, c'est que il kiffe sa femme et ses enfants. Et il habite 4 rues des races fake. Donc je compte sur vous, lui mettez la pression, faites ce que vous voulez, mais il faut à tout prix ce code pour récupérer l'argent. C'est bon pour vous pour l'instant? Si, j'ai une question, s'il porte pas la chemise bleue justement. Faut essayer de demander à Arturito. Faut essayer de demander... Et s'il se dénonce pas, on peut parler de ses enfants, sa situation familiale? Voilà, ouais, à mon avis, il va... À mon avis, si on parle de ses enfants, on va le voir, il va avoir la pression. Donc c'est bon. On a le droit surtout, de faire de la violence. Surtout, m'écoutez bien. Donc, surtout, m'écoutez bien. Tout est calculé, faut pas déraper. C'est bon pour vous? Une fois qu'on a le code, on pique l'argent et on se casse. Donc j'ai un plan, je vous donnerai le plan. Pour dire d'esquiver les barrages, mais surtout il faut pas se rater. C'est bon. Il y a combien d'employés à l'intérieur? Ça je sais pas du tout, ça dépend. Il y a des caméras? Non, je pense pas, les caméras elles ont été désactivées. Ils ont quoi comme système de sécurité? Ils ont le dernier système dernière génération et il nous faut à tout prix le code, sinon on pourra pas rentrer. Génération, ok. Il y a une alarme ou pas? Non, il n'y a pas d'alarme. On a tout désactivé. C'est pas une banque, c'est tout chez moi, calculé. Ça. Même l'angle du véhicule, là, c'est calculé. Tout est calculé. Ok. On y va. On a le droit de faire de la violence, monsieur le chef? Faut tuer personne. Ok. Vous êtes prêts? Prêt. Allez, on est parti. Allez, go. Main en l'air, personne ne bouge. Laissez-moi. Occupez-vous du chef. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. On va s'occuper du chef. Toi, tu restes ici. À l'étage, occupé du coffre. Je cherche le directeur. Arrête de bouger. Laissez-moi, s'il vous plaît. Arturito, regarde-moi. Je t'occupe de lui. Est-ce que c'est toi? Laissez-moi. Oui, c'est moi. Pourquoi? C'est toi, Arturito? Oui, c'est moi. Suis-moi, mets-toi au milieu, dépêche. Laissez-moi, s'il vous plaît. Ne tirez pas, s'il vous plaît. Mets-toi au milieu. Il est là, Arturito. Tu vas te mettre, dépêche-toi, tu vas te mettre là contre la table. Mets-toi contre la table. Fais-lui fermer sa bouche à celui-là, là. Apprends la ster, il comprend rien. Bon, écoute, toi, soit tu tais, soit je te tue. C'est simple. Donc tu vas finir par terre, d'accord? Tu veux pas la fermer, je mettrai une balle dans la tête. Je risquerai pas de parler. Arturito! Je reconnais votre voix. Je connais ton prénom, je sais qui t'es. Donc ne joue pas le malin avec moi, d'accord? Je t'explique. Au moment où je te parle,
Ouais. Soit tu négocies avec moi, soit tu parles et tu décides de parler, soit je m'occupe de ta famille. Prouve-moi juste que t'es Arturito. De la police, là. Attendez, là, j'ai cru entendre quelque chose, là. C'est de la police, là. La police, c'est n'importe quoi, c'est un hôtel, tu vas le croire. La salle, il est où, la salle? Je suis là. Je l'envoie en bas, la salle. Okay. Mets-toi contre la table, appuie sur R1. Contre la table. Voilà. Quoi? Arrête de me viser, toi. Baisse ton arme ou tu vas mourir. Baisse ton arme, t'as dit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas de la police, vous croyez un otage? Croyez-moi. Soit tu baisses ton arme, soit tu vas mourir. Baisse ton arme, on tuera. Arrête ton cinéma. Arrête de me viser, lâche ton arme. On est trois contre toi. Voilà, bien joué. On fera avec un en moins. Attends, j'ai vérifié. C'était pas prévu, mais... Elle a un micro en plus, ok, elle était vraiment... Moi, je la connais pas, j'ai pas confiance. Comment il sait ça? Comment l'otage, il sait ça? Elle m'a contrôlé quand j'étais en voiture, j'ai reconnu sa voix. Ok. Appuie sur R1, toi. Mets-toi contre la table. On va t'attacher, on va te ligoter. Toi, t'arrêtes de bouger. Arturito, maintenant, tu vas m'écouter attentivement, d'accord? Tu vas me suivre. Donc maintenant, tu me suis. Avance. On va monter en haut, dépêche. C'est bon, tire pas. Ok, donne-moi le code. Il y a la police devant. Reste ici, t'inquiète pas. Je crois qu'on est ici pour Arturito, monte. Écoute-moi, la salle, viens avec moi. Il y a la police devant la porte. Dites-leur qu'on a des otages et qu'on les lâchera pas s'ils nous laissent pas. Arrête de courir. Écoute-moi, tu vas me donner ton code, d'accord? On veut le code à 4 chiffres, donc dépêche. Il est où le coffre-fort déjà? Il est en haut, je suis à la porte. Il faut le code. C'est quoi le code? Ok, donne-nous le code. Quoi le code? Écoute-moi, Arturito. Tu vas m'écouter attentivement maintenant. Je vais te dire la vérité. Pour le moment, on a été francs avec toi, d'accord? On a tes enfants, on les a en otage. Mais c'est pas mes enfants. Oh, t'arrêtes de bouger par contre. Donc je t'explique, soit tu nous donnes le code, soit on s'occupe de tes enfants et on leur coupe le doigt à chaque fois. C'est bon, j'ai le code. Droite. On est à ton adresse. C'est quoi le code? Mais touchez pas mes enfants. Donne-nous le code. 5410. Okay. 5410, essaye. 5410. C'est bon, c'est ouvert. Go. Ok, suis-nous. Non, tu sors pas, toi. Olive, je te le dis. Allez vous occuper du coffre. Je vais m'en occuper. Donnez-moi l'otage, en attendant, je vous donne à manger. Police, quelqu'un à la porte. Tout de suite, la police. Allez négocier avec eux, allez voir la bouge police. Bouge pas, bouge plus. Police, quelqu'un à la porte, priez-moi. La salle est donne, faut que vous alliez à la porte. Reste ici avec lui, reviens. Arturito, je vais t'attacher, Arturito. Je t'attache, tu bouges plus. La salle est donne, allez voir la police tout de suite. Toi, remonte. Ok, attachez la salle, n'hésite pas. La salle est donne, vous êtes attaché. Dépêchez-vous, sinon on entre. Toi, c'est pareil. Toi, remonte. Venez. Oh, je suis là. Vous voulez quoi? Écoutez, on n'a aucune preuve que les otages sont toujours en vie. Donnez-nous là, on vous donnera des provisions. Trouvez-nous, vous n'êtes pas des tueurs. C'est Max Zephyr. C'est la police. Vous êtes cerné, vous pouvez rien faire. Écoutez-moi bien, la police. On a un otage. Si vous tentez d'ouvrir, on a placé des bombes sur la porte. Écoutez, si vous nous livrez l'otage, on réduira votre peine en prison. Je vais placer des bombes aux portes, la salle. Ça va être simple. Écoute, j'ai même une meilleure idée, alors attends, bouge pas. Je vais prendre l'otage. Toi, ne bouge pas. Dépêchez-vous, on ouvrira le feu. Tourne-toi. J'ai ramené un otage en haut, mais il n'y a personne qui s'en est occupé. Si, j'y suis là. Tourne-toi, reste tourné, ne bouge pas. Je vais te mettre une ceinture d'explosifs si tu fais une connerie. Tu meurs, c'est compris? Oui. Ok. Descends. Dépêchez-vous. Rejoins mes collègues. Arturito! Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Monte avec moi, Arturito, dépêche. Pareil, on attend. Contre le mur. Dépêchez-vous, sinon on ouvrira le feu. Contre le mur, Arturito. Le bordel. Attends, tourne-toi. Je le prends. Allez, suis-moi, t'as une bombe, je t'explique.
Info avance. Mouvement et t'explose, donc tu vas me suivre. Avance. Wow, baisse ton arme, baisse ton arme. C'est bon, on a un otage. Je suis touché, baisse ton arme, je suis touché. Partez, monsieur, partez. Je suis touché. Ok. Écoute, la salle, laisse-moi négocier. Ok, écoutez-moi la police maintenant, écoutez-moi attentivement. Pourquoi on a libéré un otage? Max Zephyr a libéré un otage et il est blessé, il faut le soigner. S'il vous plaît, aidez-moi. La salle, toi, pourquoi on a libéré un otage? Qui a donné l'ordre de libérer un otage? Max Zephyr. Pourquoi? Pourquoi t'as libéré un otage? Ils m'ont tiré dessus. Pourquoi tu l'as libéré? Mais pourquoi tu l'as libéré? Je le visais, ils m'ont tiré dessus, j'ai dû lâcher mon arme. La salle. Pourquoi vous avez sorti un otage? On n'a plus personne. C'est le directeur de la banque, je lui ai collé une bombe, la salle. Ok. La police, vous entendez? Oui, on vous entend. Ouais. Je vous explique, j'ai le directeur de la banque, je vais vous le montrer. Il a une ceinture d'explosifs sur lui. Il suffit que vous fassiez juste un faux mouvement. Et il vous explose dessus. Et si Écoutez, si vous touchez on au otage, on rentrera. On va vous le montrer, Arturito, tu bouges pas. Non mais on a plus personne. On veut une preuve qu'il soit toujours en vie. Eh, on a plus personne dans la banque. Et si lui il sort, on est mort. Écoute, mets-toi là. Arturito, mets-toi ici, mets-toi devant. Ok. Non, Arturito, il reste à l'intérieur. On prend le code. Il y a pas le code, de on l'a déjà, la rien. Le code, on l'a déjà. C'est bon, vous avez tout ce qu'il faut. Ouais, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Maintenant, on écoute le chef. Déjà celui-là, sinon on va le perdre. Tiens, le bandage. Tiens. Vas-y, fais-lui un bandage, viens, on va récupérer l'argent. Merci. Voilà. La jambe. Arturito. Recule. T'as une bombe, n'oublie pas que t'as une bombe sur toi qui va exploser si tu fais un faux mouvement. À droite. J'ai mal. Avance. Ok, Max. À gauche. Enfin, machin. Reste contre le mur ici, bon, voilà, tu bouges pas. T'as besoin de quoi pour te soigner? Aide-moi à me porter jusqu'à le véhicule, s'il te plaît. Jusqu'au véhicule? Après, c'est pas maintenant, faut rejoindre le Kamod. J'ai besoin de vous là, pour récupérer dans tous les coffres là, j'ai besoin de vous. Vous écoutez pas votre chef, dépêchez la salle est d'un. On va se faire quoi, les gars, faut se dépêcher. J'arrive, on arrive. Ma jambe. Ouais, bah, je souffre en silence. On est là, chef. Faut tout récupérer là. Je peux pas tout ramasser tout seul. Fais tous les placards. Okay, contre le mur, j'ai dit, contre le mur. Je récupère tout. Ils sont cernés, sortiront jamais. C'est bon. Ça fait le tour. Allez, on y va, les gars. Ok, on y va. Contre le mur. Attendez, sortez pas tout de suite. Hein. Surtout, sortez pas. Ok, tout de on vous attend. C'est bon, on a les sacs à ça. Très bien. Donc, Eden, je vais te passer le plan. Eden ou la salle? Qui c'est qui veut regarder pour la salle. Récupère le plan avec la police. C'est bon, t'as récupéré? Je vous ai envoyé le plan sur Skype. Et voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Donc, vous aurez la suite au prochain épisode, du coup, à l'épisode 4. N'hésitez pas à donner vos scénarios pour le prochain épisode. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant... Bah, du coup, faut qu'ils aillent jusqu'au Les Custom. On va voir si la police va les attraper. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous au prochain épisode. Bye!